Merci Hervé. Bonsoir tout le monde. Encore une fois, c'est vrai, 18h30, un joli soir à Paris avec le soleil. Le sujet va être un peu abstrait aujourd'hui, mais bon, c'est un sujet fascinant. Et donc, on a des nombre d'experts ici autour de moi. Je les remercie de s'être joints à moi. Je vais les laisser se présenter rapidement. Peut-être Lionel, si tu veux commencer. Bonjour, Lionel Rebibaud, cofondateur et président de Trax, qui est une société dans la crypto qui offre des indices sur actifs digitaux. Bonsoir, je suis David Lifshitz d'Exo Alpha. J'ai cofondé cette société il y a 3 ans. J'ai 20 ans d'expérience dans l'asset management traditionnel et je me suis intéressé aux cryptos un peu sur le tard, relativement parlant. Et aujourd'hui, Exo Alpha est une société de trading crypto qui propose donc notamment de la gestion de crypto-monnaies sous forme d'un fonds régulé en partenariat avec Tellurian. Bonsoir, Jacques Lelieu. Je suis le cofondateur de Shield Market, qui est une société qui offre du prime services à tous les intervenants de l'écosystème crypto. J'ai 27-28 ans d'expérience en investment banking, principalement en Angleterre et aux États-Unis. Et il y a 3 ou 4 ans, j'ai pris un petit peu de recul. J'ai passé 2 ans à Hawaï jusqu'à ce que je rencontre les autres cofondateurs qui m'ont sorti de ma retraite. Et moi, voilà. Jean-Marc Bonnefoot, je suis le managing partner d'une société de management régulée à Londres qui s'appelle Tellurian Capital, qui a géré pendant de longues années des stratégies hedge funds de matières premières et depuis maintenant quelques années qui distribue également des produits sur actifs digitaux, entre autres en partenariat avec Exo Alpha. Donc, je crois qu'on a un panel assez divers ici qui représente différentes manières d'accéder à l'actif ou à réduire les risques logistiques pour accéder à l'actif avec Jacques. Et donc, ce sera une discussion intéressante. Je vais peut-être essayer de cadrer un peu le sujet pour vous donner quelques éléments de positionnement sur où on est et quelques chiffres également pour donner du contexte. Et puis ensuite, on va ouvrir le débat avec le panel pour discuter de certains des challenges pour développer cet actif auprès des investisseurs institutionnels. Et on va ensuite ouvrir la discussion pour prendre des questions. J'espère que vous allez challenger ou poser des questions qui n'ont pas été adressées pendant le speech. Donc, juste rapidement, pour cadrer la chose, on, aujourd'hui, quels sont les cas d'usage principaux des actifs digitaux? C'est évidemment les paiements, parce que Bitcoin, ça a démarré comme... C'est un projet de paiement, c'est un système de paiement distribué. Et plus récemment, il y a le concept des stablecoins qui explose. Il y a aujourd'hui 150 milliards de stablecoins qui sont utilisés dans le marché. On pourra en parler un peu plus tard, mais c'est... Donc, il y a une sorte de progression là dans ce cas d'usage et je dirais même d'explosion de ce type d'actifs pour ce type de cas d'usage. Il y a évidemment l'investissement ou certains diront la spéculation, au bon sens du terme, spéculare. Et donc, on va parler plutôt de ce sujet-là, de ce cas d'usage-là, mais je voulais faire des références aux autres. Il y a ce superbe mot de la DeFi ou Decentralized Finance, qui n'a pas vraiment de nom en français, bon, la finance décentralisée, où on remplace un certain nombre des fonctionnalités qui sont offertes par les intermédiaires financiers avec des contrats et des networks qui sont distribués et qui permettent de développer des produits de pair à pair, de peer-to-peer, entre autres des échanges distribués en peer-to-peer, du lending, des prêts et des lending borrowing et des dérivés en DeFi. Et puis il y a tous ces cas d'usage intéressants qui explosent, les NFT,
d'une manière un peu plus, un peu moins, comment dire, un peu moins ludique, la tokenisation des actifs qui permet de challenger la manière dont les sociétés se fondent. Donc toute une série de cas d'usage. Et comment, si on regarde un modèle historique depuis la création de Bitcoin en 2009, on peut discerner trois périodes. Une période où c'était surtout initialement un marché d'initiés et de marché au sens de non financier et de retail. Et on s'oriente de plus en plus vers les institutionnels en passant aujourd'hui par la case family office et high net worth individual qui semble être le plus gros, les plus gros participants du côté des utilisateurs de ces actifs, surtout en termes d'asset management. Donc, en termes d'adoption, juste pour cadrer le sujet, il y a une étude très intéressante qui a été faite par Fidelity, qui est par définition un des gros institutionnels du marché, qui est un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir vraiment déployé des ressources dans les actifs digitaux. Et leur étude montre que, et la question c'était, quelle est la place pour vous des actifs digitaux dans un portefeuille d'investisseurs? Et on voit qu'en fonction des intervenants à qui ils ont posé la question, il y a pas mal d'adoptions. Les financial advisors indépendants, la réponse est quasiment unanime, surtout en Asie et en Europe. D'ailleurs, je trouve ça un peu surprenant parce que je pensais que les États-Unis seraient un peu plus élevés. Les high net worth individuals sont très largement représentés, les family office. Et puis, on voit que les gros institutionnels, les zinzins, comme on disait à mon époque, les pensions et endowment et fondations, ils ne sont pas vraiment présents. Et c'est là le gros sujet. Comment vont-ils venir et comment les faire venir? Le retail, il n'y a pas de, sujet. Presque tout le monde... Probablement dans la salle, presque tout le monde a... d'ailleurs, qui a... Si je peux faire une levée des mains, là. Qui a, aujourd'hui, ou a eu des actifs digitaux dans leur portefeuille? Ah, d'accord. 80%. Comment? Qui n'en a jamais eu? Bon, le sujet peut-être biaise la réponse, l'occasion. Donc on voit qu'il y a une explosion des adresses. La participation, elle est tous les jours, on entend des noms différents. Mon fils me disait tout à l'heure que KPMG a déclaré officiellement au Canada qu'ils ont des actifs digitaux dans leur portefeuille de trésorerie. Je sais qu'un certain nombre de fonds ont aujourd'hui des banques qui investissent une partie de leur trésorerie également dans des hedge funds crypto. Donc, il y a des évidences anecdotiques que la chose se développe. Un des plus gros fonds de pension australiens va se mettre sur la classe d'actifs. Donc, clairement, il y a plus de participants. Deuxièmement, il y a plus de liquidité. Pour faire un marché, il faut des participants, de la liquidité, de la compétence, skills, et une infrastructure. Donc, les participants, ils sont là. On a vu que la typologie des participants évolue. Le capital, il est là, c'est clair. Il frappe à la porte, il cherche des moyens de se déployer dans les actifs digitaux de manière différente, donc on va discuter. Aujourd'hui, le marché est de 2 milliards de dollars, il est monté jusqu'à 3 milliards, mais ça c'est un volume de stock en turnover, il est bien plus élevé, puisqu'il y a de l'achat et de la vente. Et en termes d'intervenants, le plus gros intervenant c'est Binance, qui domine toujours les marchés de spot, et qui fait 20% des volumes de trading, mais on voit beaucoup d'institutions un peu moins, un peu plus classique qui viennent rejoindre ce club qui offre des produits pour le retail et pour les institutions. Et donc, j'ai trouvé une table très intéressante qui a été faite par Bridgewater, le très gros fonds américain, qui essayait de comparer la taille de la liquidité disponible dans les marchés
d'actifs digitaux avec les gros marchés financiers. Et on voit que en facial, en nominal, c'est reste tout petit, c'est 2% par rapport aux equity US, avec une volatilité bien supérieure. Mais si on ajuste avec la volatilité qui est bien supérieure, et ce qui est la manière dont un fund manager, un investisseur va regarder, c'est volatility adjusted, combien vous pouvez gagner ou perdre avec cet actif, pas simplement combien vous en avez dans votre portefeuille, et bien on voit qu'on monte au-dessus de 10%. Donc, ça devient quelque chose qui, de par sa volatilité, a de plus en plus d'importance dans les portefeuilles institutionnels potentiellement. Troisième point, les skills. Il faut des compétences pour développer une classe d'actifs. Alors là, j'ai trouvé ce clip dans la presse. Il y a une très forte traction en termes d'emploi. Il y a beaucoup de jeunes diplômés qui viennent dans la crypto. Et puis, de manière intéressante, il y a beaucoup de vétérans de la finance traditionnelle qui pivotent, dont mes confrères autour de ce côté de la table, qui pivotent ou qui ont pivoté sur ce secteur. Et finalement, l'infrastructure. Il faut de l'infrastructure. Sans l'infrastructure, vous cassez les pots et donc les problèmes arrivent et ça ne scale pas, comme disent les Américains. Et là la nouvelle est très bonne et je suis sûr que Jacques va nous donner son angle là-dessus, mais il y a plus d'échanges, il y a plus de services d'exécution, il y a plus de market makers, il y a plus de custodians qui s'occupent de la protection des actifs qui ont des caractères spécifiques par rapport aux actifs financiers. Il y a des services d'agrégation, de prime brokerage, des services de données et des plateformes d'émission. Donc, net-net, on se retrouve dans un picture qui est très différent qu'il était il y a encore 3 ans et qui change très rapidement. Et tous les changements vont dans le sens de l'institutionnalisation. Et je terminerai, avant d'ouvrir le panel, sur cette taxonomie typologique qui est, je pense, assez importante. Il y a beaucoup de manières d'investir dans les actifs digitaux. Et en fait, en fonction il y a encore quelques années, c'était est-ce que j'achète ou je n'achète pas du Bitcoin ? C'est quand même assez rustique comme question pour un investisseur institutionnel. Alors qu'aujourd'hui, il peut investir à travers des equities, il peut investir directement, c'est plutôt du retail, à travers sa propre digital wallet. Il peut aller sur un échange centralisé ou décentralisé. Il peut acheter un ETP, un Exchange Traded Product, qui existe largement aux États-Unis avec Grayscale. Il peut aller à travers un hedge fund ou il peut acheter de l'equity à travers un VC, investir dans un VC ou un PI qui va lui-même investir dans l'equity. Donc, il y a différentes manières d'accéder à l'actif. Donc, net-net, deux chiffres que je voulais vous montrer, il y a aujourd'hui presque 60 milliards de estimés d'actifs dans les portefeuilles d'investisseurs institutionnels, avec une forte concentration sur l'ETF, qui est largement le produit Grayscale aux États-Unis. Mais il y a également des sociétés privées qui mettent ça dans la trésorerie. En termes de VC, il y a l'estimé en 2021, c'était qu'il y avait plus de 25 milliards qui avaient été investis dans la blockchain, c'est quand même pas mal. Et en termes de sociétés publiques, il y a des sociétés qui valent plus de 50 milliards, comme Coinbase, qui vaut plus que la plupart des banques internationales en market capitalisation. Et puis en termes de hedge fund, on a à peu près une vingtaine de milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui. Donc on voit que la courbe. Donc voilà un peu tout l'ensemble d'éléments que je voulais mettre sur la table pour cadrer le sujet. Et pour venir au panel et pour essayer de mettre ça en dynamique et essayer de voir quels sont les problèmes et comment quelle est la direction de trafic pour cet actif intéressant. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être demander à chacun d'entre vous de peut-être d'abord nous donner votre parcours personnel et comment vous êtes arrivé à la crypto, aux actifs digitaux, parce que c'est quand même important pour je crois, l'audience, pour avoir ces parcours individuels. Donc, Lionel. Oui, je vais commencer à...
Oui, j'ai commencé à regarder d'abord la blockchain il y a 4-5 ans. C'est sur ce spectre que j'ai mis le pied dans ce monde-là. Et pour, très, très peu après, en fait, commencer à regarder la classe d'actifs elle-même qui est plutôt dissociée de la technologie. Donc ça fait 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Je trouvais qu'il y avait certains attributs qui étaient relativement intéressants. Je pense qu'on va rentrer un peu plus dans le détail, donc je vais me réserver d'élaborer ce point-là. Mais je trouvais qu'il y avait certains attributs qui étaient extrêmement intéressants et qui étaient probablement sous-exploités. Donc voilà. La raison pour laquelle on a créé Trax, donc, qui est une plateforme d'indices. Donc, entendez par indice, un équivalent de CAC 40, mais sur les actifs digitaux, c'est parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine demande sur cette classe d'actifs, mais les gens ne savaient pas par où commencer. Donc, il s'agissait de les prendre par la main et de leur offrir des sortes de produits, je dirais, packagés, simples, mais néanmoins packagés et accessibles, qui soient safe et régulés. Donc, voilà, c'est de là qu'est né Trax. Et donc, l'idée, c'est de proposer des produits du plus vanillé au plus sophistiqué sur Active Digital. Donc moi, je viens d'un milieu d'asset management traditionnel, donc j'ai travaillé aux États-Unis pour des hedge funds ou des family office en tant que risk manager ou portfolio manager. Et en 2014, un ami à moi me parle de Bitcoin. J'avais vaguement entendu parler de ça. Et à l'époque, ça valait à peu près $100. Et le temps que je commence à regarder ce que c'est, essayer de comprendre ce qu'est une blockchain, etc., 3 mois plus tard, c'était passé à quasiment $900. Et pour avoir connu la bulle Internet de 99-2000, je me suis dit, bon, effectivement, je sais qu'un nouveau produit qui a une telle croissance, ça finit très mal, c'est trop exponentiel. Ça, effectivement, le temps que je comprenne un peu ce que c'est qu'une blockchain, à l'époque, en 2015, Bitcoin se crash. Et je me dis, bon, bah oui, effectivement, c'était une belle initiative. Mais là, je ne connais pas d'actifs qui renaissent de leurs cendres après 85% de baisse. Et chemin faisant, en 2016, Bitcoin revient autour des $1000. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire d'un point de vue trading, puisque, comme disait Lionel, c'est une classe d'actifs qui a des propriétés très intéressantes par rapport aux actifs traditionnels. On peut revenir plus tard par la suite, mais c'est notamment le trading ininterrompu et la grande volatilité. Et pour du trading, c'est le terrain de jeu idéal, on va dire. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça, à voir comment on pourrait développer des algorithmes pour trader de manière systématique, donc automatiser ces instruments donc, qui cotent en permanence. Et pour les trader, mon approche étant plus court terme, il faut que ce soit totalement automatisé parce qu'on ne peut pas rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant un écran à placer des ordres selon ce qui se passe. Donc d'où la genèse par la suite de ExoAlpha qui avait pour but justement de développer une infrastructure pour mettre en place et automatiser ces stratégies de trading qui ont commencé par un peu ce qu'on voyait le slide des high net worth individuals qui étaient nos premiers clients et maintenant qui deviennent de plus en plus des investisseurs institutionnels qui s'intéressent à cette classe d'actifs et qui cherchent à entrer dedans par des véhicules par contre avec des formats traditionnels qu'ils connaissent et qu'ils peuvent intégrer dans leur back office. Mon histoire avec les bitcoins a commencé très très tôt en fait. Je pense que c'était aux alentours de 2011 ou 2012. J'étais dans un fonds à New York, à Greenwich, et j'avais entendu parler de ça, je ne savais pas ce que c'était. J'ai téléchargé un petit programme qui faisait du mining sur un ordinateur professionnel du fonds, et j'ai laissé ça tourner quelques temps, et puis ensuite ça a créé quelques bitcoins, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et quand j'ai vu ça, j'en ai parlé donc au fonds, et là j'ai été très bien accueilli avec un gros nom. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé l'ordinateur, qui avait sans doute des bitcoins dessus, qui doit sans doute encore les avoir. Il est quelque part, on ne sait pas où. En tout cas, j'ai quitté cette société-là, dans laquelle je faisais du high-frequency trading. Je fais partie de ces ignobles personnes qui ont fait ça pendant ces années-là. Et en fait, pour moi, le bitcoin, ça a vraiment commencé en 2017, quand le CME a listé le futur.
Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, c'est le moment, c'est institutionnel maintenant, c'est reconnu par une grande place, bien régulé. Et en fait, on avait décidé de se lancer là-dedans. Et là, les hasards de la vie fait que la société sur laquelle je travaillais a été vendue. J'ai revendu mes parts et je suis parti à la retraite. Donc, deuxième tentative qui n'a pas marché. Donc, je suis parti passer quelques années à Hawaï. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est à Hawaï? Eh bien, quand on part en vacances, on vient à Paris. Et j'étais à Paris et j'ai reçu un coup de fil quand j'étais là. C'était en 2019. Et qui me disait, tiens, il y a trois jeunes qui sont brillants et qui veulent se lancer dans quelque chose qui concerne les actifs numériques. Et c'est là que je suis retourné en espérant, un third time's the charm, comme on dit. Donc la troisième fois est la bonne. Et donc c'est mon parcours, c'est aussi bête que ça, c'est qu'un parcours de hasard. Il faut vraiment qu'on trouve il faut repartir à Greenwich pour trouver ce laptop. Exactement. C'est le $2 million laptop. Il peut y avoir soit zéro, soit beaucoup d'argent. Oui, okay. Mais malheureusement... bon, pour ce qui me concerne, ma carrière a été dans les matières premières. Et en fait, ma thèse, c'est plus qu'une thèse, c'est une réalité, je pense, c'est que les actifs digitaux, c'est les nouvelles matières premières, en ce sens qu'ils partagent un certain nombre de caractéristiques similaires, qui sont une volatilité élevée. Généralement, on traite bien au-dessus de la valeur, objective de l'actif. Il y a également des très fortes considérations de courbes qui sont très intéressantes dans tous les marchés financiers, mais également dans les actifs digitaux. Donc, c'était pour moi logique de développer le même type de skills et de l'infrastructure légale et opérationnelle entre matières premières et actifs digitaux. Et je dirais même que je pense que les actifs digitaux sont là où étaient les matières premières en 2000 à peu près. En 2002, vous vous rappelez sans doute qu'il y a eu cette sorte d'explosion des matières premières liées à l'arrivée de la Chine sur les marchés internationaux. Et il y a eu en parallèle la financialisation des matières premières. Et on est en train de voir le même film. Mais on peut remplacer commodities, crude oil, cuivre avec actifs digitaux, Bitcoin et Ethereum. Donc c'est un peu mon histoire personnelle. Mais je pense que j'aimerais bien revenir, et peut-être Lionel, tu peux nous donner ta perspective là-dessus, sur cette question de fond institutionnel, d'accord, mais pourquoi est-ce que les institutionnels viendraient dans la crypto? Oui, alors il y a quelques éléments qui sont assez classiques, je dirais, qu'on entend très souvent ici et là. C'est bien évidemment la faible corrélation, en tout cas dans l'ensemble, de cette classe d'actifs par rapport aux autres actifs plus traditionnels. Donc ça a un pouvoir diversifiant qui est, encore une fois, si on prend une vue long terme et si on ne s'arrête pas aux événements Black Swan comme ceux qu'on a eu récemment, où effectivement cette classe d'actifs a tendance à se recorréler avec les autres actifs traditionnels, dans l'ensemble, elle a un pouvoir diversifiant qui est non négligeable. Le deuxième point, là c'est beaucoup plus spécifique au Bitcoin, c'est le hedge contre les événements macroéconomiques, donc l'inflation notamment, et ou géopolitique. Donc là ça s'est bien prouvé récemment lors des événements tristes en Ukraine, où le Bitcoin a clairement reçu beaucoup de demandes d'achat. Il y a aussi le côté effectivement volatilité qui intéresse beaucoup de personnes. C'est une classe d'actifs qui est potentiellement assez intéressante d'un point de vue risk-adjusted return, comme on dit en anglais. Donc ça attire beaucoup de monde. Donc ça, je dirais, c'est les trois points les plus classiques. Mais il y a aussi l'autre angle, et donc là, ça s'adresse beaucoup plus sur ce qu'on appelle les alternative coins. C'est une façon aussi de jouer la tech, la disruption de cette tech sur potentiellement toutes les industries, à commencer bien entendu par la finance traditionnelle. Donc voilà, pour certains, c'est aussi et surtout une façon d'exprimer leur vue macro sur ces marchés, c'est en achetant certains de ces jetons. Il y a aussi l'aspect spéculation, ça on en parle beaucoup moins, mais je pense qu'il ne faut pas le négliger. Les gens aiment bien spéculer, je pense qu'on est dans un monde qui se décomplexe à ce niveau-là. Il y a les sociétés de spread betting, notamment de paris en ligne, des casinos, etc. Je pense que la nouvelle génération est beaucoup moins,
est beaucoup moins complexé à ce niveau-là et avide de spéculation. Et il y a aussi quelque chose pour les plus vieux dinosaures de la finance, c'est quelque chose de nouveau aussi. Ça, c'est un élément dont on ne parle pas assez, je pense, mais c'est quelque chose de véritablement nouveau. On était un petit peu à court de souffle, on s'ennuyait limite sur les marchés financiers traditionnels. Et là, soudainement, il y a cette classe d'actifs assez sympa qui arrive avec certains attributs qu'on aime bien. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses. Ouais. Je me demandais la même question, David, mais avant, je voulais te poser une question, Lionel. Est-ce qu'il y a vraiment une décorrélation ? Parce que si on regarde ce qui se passe récemment, on a l'impression que les actifs digitaux ont tendance à suivre le soubresaut à la hausse ou à la baisse des marchés classiques. Alors, il y a crypto et crypto, déjà, enfin, sans entrer dans le détail, enfin, il y a clairement une distinction à faire entre un bitcoin, qui est, bon, pour moi, une valeur refuge, comme voilà, on considérait l'or comme valeur de réserve, qui n'a rien à voir avec les crypto-devises, qui sont, comme le nom l'indique, des devises, donc ça n'a véritablement rien à voir. Et qui n'ont rien à voir avec non plus les jetons émis par des protocoles ou des blockchains dont la valeur est intimement liée à l'adoption du protocole ou de la blockchain en question. Donc voilà, on ne peut pas regarder pêle-mêle les cryptos et leur réaction face à la violence et la brutalité avec laquelle les marchés ont bougé récemment. Le Bitcoin, effectivement, il a été victime de son succès quelque part, dans le sens où il est devenu relativement liquide. Et comme on le sait, on vit dans un monde où il y a énormément de leviers. Et donc, du coup, il y a des appels de marge. Et quand les gens ont des appels de marge, ben, ils ont tendance à liquider les actifs les plus liquides. Et Bitcoin en fait partie. Donc, effectivement, il y a eu cette recorrélation au moment où on a malheureusement besoin le plus de diversification. Il y a une recorrélation assez claire du Bitcoin avec les autres actifs financiers plus traditionnels, je dirais. Mais c'est extrêmement momentané. On parle de quelques jours, tout au plus. Ensuite, le Bitcoin a bien refait son travail. En revanche, on a vu une belle différence entre la réaction du Bitcoin et le reste. Les actifs beaucoup plus risqués, qui sont beaucoup plus, liés à l'adoption technologique ou qui sont beaucoup plus high beta, eux ont pris un coup relativement sévère et ne sont pas encore vraiment revenus. Donc il faut bien dissocier, je pense, les sous-classes actives au sein des actifs digitaux. Donc en fait, ça nous ramène à la market structure. David, quelle est ta vue sur l'évolution de la market structure, de la structure de marché des actifs digitaux ? En termes de market structure, on a vu effectivement au départ les premiers exchanges, Kraken, Binance, qui tradaient que du spot. Après, on a vu l'arrivée de produits plus faciles à manipuler, qui sont les perpetual swaps, qui n'utilisent pas notamment cette notion de custody. Il n'y a pas besoin de stocker physiquement ces coins, c'est juste en gros un ordre écrit, c'est juste du papier qui change de main, on va dire. Et l'arrivée, au niveau de la corrélation-décorrélation des actifs, je pense, a eu lieu effectivement avec l'arrivée des futurs bitcoins sur le CME, donc en 2017, qui ont été pour des fonds systématiques traditionnels, typiquement donc des CTA, un moyen d'accéder à cette classe d'actifs avec leur système existant, puisqu'ils tradaient des futurs sur le CME. Au lieu de traiter du jus d'orange ou du pétrole, de l'or ou des points d'indice de S&P 500, ils allaient trader des bitcoins. Et ça a créé justement une arrivée de liquidité uniquement dans cette crypto-là, puisqu'il n'y avait au départ que des futurs sur Bitcoin sur le CME. Aujourd'hui, il y en a certains sur Ethereum, mais c'est tout. Et donc, du coup, ces gros acteurs sont venus sur ce marché-là avec leurs algorithmes habituels et pour traiter ça de manière plus sur de momentum, on va dire, et qui ont créé une dynamique dans Bitcoin qui était drivée en fait par un gros pool d'actifs directionnels, alors qu'avant c'était plus des petits investisseurs, des petits traders par-ci par-là sur différents exchanges qui tradaient cet actif. Et donc on a vu apparaître, en tout cas c'est ce que j'ai pu constater, ce que vous en pensez Jacques, de ce point de vue-là, mais depuis l'arrivée de tous ces acteurs qui ont commencé vraiment à se mettre s'impliquer dans le trading de Bitcoin à travers les futurs du CME,
il y a eu plus de corrélation, je dirais, des assets aux assets traditionnels, puisqu'en fait, leurs algorithmes suivent un peu la tendance, et d'où cette apparition de corrélation qui a pu apparaître entre le Bitcoin et les autres actifs traditionnels. Après, cette corrélation, c'est quelque chose, tout dépend sur combien de temps on la regarde, c'est sur la regarde sur 3 heures, sur 3 mois, sur 3 semaines, tout dépend comment on la, sur quelle période, est-ce qu'on la considère dans l'absolu, est-ce que c'est une corrélation glissante. On peut en tirer beaucoup de conclusions, mais globalement, il y a une corrélation un peu plus importante des crypto-monnaies avec les actifs traditionnels, en tout cas récemment. C'est ce que j'ai pu constater, en tout cas de mon point de vue. D'ailleurs, c'est un point très important. Il faut, je pense, craindre l'institutionnalisation excessive de cette classe d'actifs, parce que c'est probablement voué à créer beaucoup plus de corrélations. La diversification étant quand même un des attributs principaux que beaucoup d'investisseurs recherchent dans cette classe d'actifs, je pense que naturellement, au fur et à mesure que la classe d'actifs s'institutionnalise, ça va immanquablement recréer une forme de corrélation avec les actifs plus traditionnels. Oui, absolument. En fait, je partage complètement ton constat. Alors, je ne saurais pas donner le chiffre exact, mais depuis 2, 3, 4 ans, il y a beaucoup de fonds de buy-side. Buy-side, c'est les sociétés qui utilisent les produits de bourse, pour ceux qui ne le savent pas. Qui travaillaient sur le marché traditionnel, le marché classique, actions, dérivés, etc., qui se sont étendus aux actifs numériques. Et ils ont fait la chose la plus simple du monde. Ils se sont contentés de faire tourner leur modèle à peu de choses près, en changeant une virgule ici, et un sigma là. Ils ont recréé en fait quelque chose qui est maintenant un petit peu plus corrélé. Ils ont décorrélé la chose. L'une des raisons pour lesquelles je pense cette recorrélation tient pas longtemps, c'est que lorsque ça va mal dans le buy side, on coupe les modèles. Lesquels on coupe? Ceux qui sont les moins matures, et donc en fait les modèles Bitcoin. Ce qui fait que cette recorrélation, je vais y arriver, c'est difficile, en tout cas elle dure pendant une période assez courte, on coupe les modèles et ça repart. Et ça se décorrèle à nouveau. C'est une explication qui... c'est sans doute pas la seule, mais c'est une explication qui, je pense, a un petit peu de sens. Et le fait d'avoir maintenant des petites sociétés en fait, qui arrivent dans le monde des actifs numériques fait qu'en fait, on commence à voir cet effet. Lorsque les grands viendront, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vraisemblablement, il ne faut pas oublier que les actifs numériques, donc c'est une nouvelle classe d'assets, une nouvelle classe d'actifs, comme on le disait. Et à titre d'information, comme ça, il y a en gros, depuis 10 000 ans de civilisation, il y a eu à peu près 5 classes d'actifs qui ont été créées. Donc ça, en moyenne, c'est une fois tous les 2000 ans. Donc on est en train d'assister à quelque chose qui est relativement unique. Il faut en être conscient. Donc c'est complètement nouveau, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. On essaye d'appliquer des vieilles recettes de cuisine qu'on connaissait, qui sont bien maîtrisées, avec des gens très brillants qui ont fait ça. Mais on essaie d'appliquer à quelque chose qui est nouveau et on ne sait pas exactement où ça va. Et donc, en fait, on découvre des choses, en fait. Donc, Jacques, en fait, ta société passe beaucoup de temps à déployer de l'infrastructure qui va permettre aux institutionnels de venir. Donc, de ton point de vue, quand vous parlez à des institutionnels, quel est le gap? Qu'est-ce qui manque pour eux pour venir en plus de taille et plus de capital? Alors là, la question est très, très vague. Il y a plein de choses. On parlait de la microstructure. Donc, un institutionnel s'attend à ce que lorsqu'un ordre est passé au marché, il soit traité. Actuellement, enfin, ça se passe mieux maintenant, mais il y a encore 2 ou 3 ans, on pouvait envoyer ça avec un pigeon. On avait à peu près la même probabilité pour que ça arrive. Voilà, un institutionnel, il ne viendra pas. Qu'est-ce qu'il attend d'autre? Il attend déjà la sécurité. Est-ce que ma contrepartie sera encore là demain? Donc, est-ce qu'il n'y a pas de chambre de compensation pour, je vais supposer que tout le monde connaît, mais si jamais il y a des mots que j'utilise qui sont un peu de jargon, n'hésitez pas à lever la main.
le bras. Donc voilà, est-ce que quand je fais un trade avec Jean-Marc, est-ce que je suis sûr qu'en fait je vais être livré? Donc il y a aussi une grosse question. Et puis bien entendu, il y a l'aspect réglementaire. Est-ce qu'il y a plein de fonds en France qui n'ont pas le droit d'investir là-dedans parce que on n'a pas le tampon AMF ou ACPR, enfin Banque de France. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a d'autres aspects qui sont un petit peu plus, que je dirais, image de marque. Il y a une mauvaise presse aussi au niveau environnemental. On pompe de l'électricité pour maintenir la blockchain. Comment est-ce qu'on adresse ça? Je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais on essaye de tous, sur ce panel, d'essayer d'apporter des éléments de réflexion, vulgariser l'écosystème pour essayer de faire passer les messages qui sont que c'est quelque chose de nouveau. Et on a de la chance, en fait, d'être en France parce que l'AMF, la réglementation française, en fait, est très avancée par rapport aux autres pays européens. Si vous avez entendu parler de la directive européenne MiCA, qui est censée être appliquée dans les deux prochaines années, en fait, elle est à peu de choses près une copie conforme des processus qu'on met en place avec l'AMF actuellement. Donc on a de la chance d'être au bon endroit, en fait. Donc au bon endroit parce que tous les 2000 ans, ben, c'est maintenant. Au bon endroit parce que la France est en front line, en première ligne. C'est peut-être pas le bon mot dans le contexte actuel, mais elle est en première ligne avec tout l'aspect réglementaire. L'AMF fait un très bon boulot. La Banque de France et la CPR font ça très très bien. Et en fait, j'ai balayé des choses. Je suis sûr que j'en ai oublié, mais ça fait partie des choses qui font que la mentalité commence à évoluer petit à petit. D'accord. Est-ce que tout le monde a la même opinion très positive de l'état de la réglementation pour les développements des actifs financiers? En Europe, dans l'ensemble, ça va à peu près dans le bon sens. Aux États-Unis, il y a des disputes internes au sein du Congrès, mais bon an, mal an, ça va plutôt dans le bon sens. Je pense que y a quelque chose, par contre, sur lequel les gens ne font peut-être pas assez attention, c'est ce qu'on appelle la travel rule, qui va imposer aux acteurs de partager les informations sur les clients lorsqu'il y a un échange de valeurs ou d'informations. Ça peut mettre à mal potentiellement une partie pas que de la classe d'actifs, mais aussi de la technologie qu'il y a derrière, qui se voulait plus, pas prosélyte, mais un peu moins, pas élitiste non plus, mais voilà. Il y aura un problème d'échange d'informations qui va un peu à l'encontre du spirit, en fait, à partir duquel cette classe d'actifs et cette technologie sont nées. Donc la travel rule, ça peut être potentiellement quelque chose à regarder d'ici un an et demi, lorsque ça va entrer en vigueur, ça pourra avoir un impact négatif. Il y a un point que tu as dit, je pense que c'est très important, en fait, l'anonymat, en fait, la fameuse schizophrénie entre l'anonymat et puis la travel rule ou la transparence. Je pense qu'il y a une mésentente, une mécompréhension, une incompréhension de la part du grand public qui pense que la blockchain et le bitcoin, c'est quelque chose d'opaque. En fait, c'est même tout le contraire. C'est que tout ce qui a été fait depuis le début du temps est gravé dans le marbre, dans la blockchain. Donc, on connaît exactement toutes les transactions qui se sont passées depuis le début des blockchains. Donc, si on prend maintenant et qu'on remonte, on voit des adresses, donc des comptes en banque, pour faire simple. Et si on connaît la personne qui détient la clé de cette adresse, donc le propriétaire du compte en banque, on sait exactement ce qu'il a fait depuis toujours. Donc, c'est même le contraire de l'opacité, c'est la transparence, mais je veux dire, on ne peut pas faire plus que ça. Ce qui explique, par exemple, la raison pour laquelle le gouvernement américain était capable de saisir des bitcoins, parce qu'ils ont fait le travail pour remonter, depuis quelques années, à tous les intervenants dans des entreprises criminelles, et ils ont réussi à saisir tous ces bitcoins en question. Donc, il y a une dichotomie, il y a une schizophrénie, en fait, entre l'opacité et la transparence, et en fait, c'est transparent dans le sens où tout est public. C'est opaque dans le sens où les comptes en banque sont anonymes jusqu'à ce qu'on arrive à les désanonymiser. Et pardon, je vais faire une petite digression et je vais me faire l'avocat du diable volontairement, mais une vaste majorité des transactions qui se passent aujourd'hui sur cette classe d'actifs ne passent pas sur les blockchains. Donc il y a une certaine opacité quand on passe par un Binance et il y a un problème de traçabilité aussi. Mais
Oui, dans l'ensemble, c'est vrai que voilà, si tout passait par la blockchain, ça serait beaucoup plus transparent que dans les circuits traditionnels. Très bien. Alors, un des gros sujets qui est dans tous les boards de gros investisseurs, c'est ESG. Hein. Je ne suis pas sûr comment on dit en français, mais enfin, environnement social et gouvernance. Quid des actifs digitaux? Est-ce qu'ils cochent les critères de ESG? Je vais me lancer parce que c'est une question piège. Oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est très difficile en fait à expliquer que en fait on pompe de l'électricité qui sert en fait qui part en fumée. Donc on brûle du carbone, on brûle de l'oxygène, on brûle du pétrole en fait pour faire miner pour faire marcher la blockchain. Il y a deux réponses à ça. La deuxième partie, je vais la laisser, c'est le fameux proof of work et proof of stake. Je ne sais pas si l'un de vous va le mentionner, mais je suis sûr que ce sera le cas. Alors, une des autres réponses que je vois de plus en plus, c'est deux cas concrets que j'ai en tête. Il y a, c'est les gens qui nous ont approchés dans la société, il y a des petites fermes en Afrique qui ont des panneaux solaires. Ils fabriquent du courant. Pour alimenter des petits villages, pour purifier de l'eau, etc. Et en fait, ils ont un surplus d'électricité. Ils ont deux choix, donc soit ils le jettent en l'air, soit en fait ils minent des bitcoins et ça fait un apport supplémentaire de fonds pour ces villages. Donc ça, c'est pas bête comme idée, plutôt que de rien faire avec cette électricité. La deuxième partie aussi, c'est que les mineurs, les gens qui font tourner les grosses fermes d'ordinateurs, on peut partir du principe qu'ils ne sont pas complètement stupides. Et en fait, beaucoup, les gros, ils ont des fermes dans plusieurs endroits géographiques. Ils n'ont pas tout concentré au même endroit. Et ils arbitrent en fait le prix de l'électricité lorsqu'ils passent en négatif. Par exemple, dans le nord-est des États-Unis, ils ont énormément d'électricité fabriquée à partir de la masse d'eau qu'ils ont là-bas, des barrages, etc. Et souvent, ils ont une surconsommation, une surproduction, et donc il faut qu'ils payent à des gens pour consommer ça. Comme vous le savez, l'électricité, quand on la produit, il faut la consommer. On ne peut pas juste la faire passer dans l'air. Et donc, en fait, ces mineurs-là, en fait, ils utilisent ça. Et est-ce qu'ils rendent un service à la société? C'est une question, je n'ai pas de réponse, mais certains le prétendent en disant cette électricité-là, si nous, on ne l'utilisait pas, il faudra que le producteur électrique paye quelqu'un d'autre pour le faire, et peut-être qu'en fin de compte, ça reviendra plus cher en fait, au consommateur. Je pense qu'il y a un autre, c'est un très bon point, il y a un autre exemple que j'ai rencontré il y a quelques mois qui est intéressant de comment l'innovation permet d'adresser le sujet d'environnement dans la crypto. C'est la verticalisation des puits au Texas. Donc, quand vous produisez du pétrole, vous créez le by-product, c'est le gaz. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le Texas, vous voyez des petites flammes. Et en fait, c'est parce qu'ils font brûler le gaz qui est le sous-produit du pétrole extrait. Et en fait, ils ont beaucoup d'ingénuité. Ils créent ils placent en fait Bitcoin mining unit à côté du puits, et ils recyclent ce gaz pour gérer l'unité de mining de crypto. Donc en fait, vous avez une sorte de recyclage, un peu comme le carbon capture, c'est du gas capture. Et on peut imaginer que les gros pétroliers, les gros mineurs, les gros pétroliers en l'espèce, vont faire une sorte d'intégration verticale technologique et devenir des mineurs de crypto. Pour autant que le concept du minage de crypto continue pour trop longtemps. C'est l'autre sujet. Est-ce que vraiment, c'est le concept du proof of work, proof of stake, une grande partie du minage est devenu moins important, et maintenant on utilise en fait le capital pour montrer du skin in the game plutôt que de la dépense d'énergie. Donc même ce sujet semble devenir moins critique parce que la structure du minage change. Je sais pas si... Oui, non, mais de toute façon, d'un point de vue strictement économique et même pas environnemental, il faut considérer ces mineurs
Donc ces validateurs des blockchains comme des mineurs sur les matières premières, c'est-à-dire ils ont des coûts d'électricité, des coûts de voilà, des coûts de machinerie, des coûts labor, etc. Électricité, c'est une énorme partie de cette équation, donc ils ont tout intérêt à diminuer ces coûts. Il se trouve que le coût d'électricité est moins cher sur les renouvelables. Alors c'est intermittent, c'est pas base load, etc. Mais pour autant, voilà, on voit clairement une tendance de ces mineurs, pas forcément pour des raisons environnementales, mais plus pour des questions économiques, à s'orienter vers des énergies renouvelables ou à trouver ce type de méthode de génération d'électricité en récupérant du byproduct gaz. Il y a aussi le proof of stake, effectivement. Ça, c'est bon pour ceux qui sont dans la blockchain. On en parle assez souvent. Il y a deux méthodes de consensus pour faire. Enfin, il y a plusieurs méthodes de consensus, mais deux grosses. C'est le proof of work où on va montrer que pour valider une transaction, on a montré qu'on a travaillé sur cette transaction. Pour faire très simple, en montrant qu'il y a l'intensité énergétique. J'exagère volontairement. Et l'autre qui est le proof of stake, qui est complètement différent comme méthode, où on va en gros collatéraliser un jeton émis par une blockchain, Tezos par exemple, pour montrer qu'on est un bon acteur, qu'on ne va pas faire du double entry d'un point de vue comptable. Et donc ça, c'est beaucoup moins intense d'un point de vue environnemental. On ne fait absolument rien. N'importe qui avec un ordinateur portable peut devenir validateur sur une blockchain proof of stake. Donc c'est bien moins damaging d'un point de vue environnemental. Et après, bon, y a tous les neutralisations de carbone comme le font très bien les sociétés pétrolières. Et c'est ce que les mineurs sont en train de faire de plus en plus. Et il y a aussi donc, l'autre point que tu mentionnais, c'est-à-dire la partie sociale. Est-ce que le rêve de tout le monde, ce ne serait pas de couper l'intermédiaire, que tout le monde ait accès à un crédit facile dans le sens, pas facile d'accès, mais facile dans le sens où facile d'entrer en relation avec des prêteurs, avoir quelque chose de décentralisé, que tout le monde au fin fond du Sahel ou à New York, puisse, tout le monde est à un pied d'égalité, et avoir accès à ça, c'est un beau rêve. D'ailleurs, ça faisait partie du papier de Satoshi qui a été écrit au tout début de la blockchain. Son idée étant de démocratiser en fait l'accès à la finance. On peut dire que ça, c'est incontestablement une valeur ajoutée. C'est intéressant de voir ce qui vient de se passer avec les événements tragiques en Ukraine. C'est que dans un monde qui a perdu quasiment overnight la bancarisation, le modèle de Satoshi qui est de créer une forme de bancarisation décentralisée, autonome, a fonctionné. C'est-à-dire qu'ils ont levé une centaine de millions sur des digital wallets et ça a permis de créer un afflux de fonds immédiat par des transactions atomiques instantanées, sans passer par les intermédiaires qui étaient, ou bien pour des raisons logistiques, pour des raisons parfois de sanctions, qui étaient. Donc en fait, on voit bien que le S de ESG, s'il y a bien un actif qui est en haut du palmarès entre guillemets en termes de S, c'est probablement les actifs digitaux. Et il y a le dernier qui est le G, qui est pour moi à l'épicentre de tout ce qui se fait dans la blockchain. Peut-être pas des contre-pouvoirs, mais tout au moins une meilleure balance des pouvoirs. Et je pense qu'en ça, la blockchain peut résoudre une bonne partie des problèmes. C'est d'ailleurs de cette idée essentiellement qu'est née la blockchain pour éviter ce qu'on appelle le single point of failure, une centralisation des pouvoirs. Bon, c'est né vraiment à la suite de la crise, la Great Financial Crisis. Et je pense que le G va avoir une place prédominante dans les années à venir. Et voilà, il ne faut pas penser qu'au E, mais le S et le G sont extrêmement importants aussi. La proof of stake, en fait, c'est en gros, je possède donc un token et j'ai le droit de vote. En gros, c'est ça que ça veut dire. Un homme, un vote. J'exagère un petit peu, parce que tous les hommes n'ont pas un seul token. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que les stakeholders, en fait, ils ont leur mot à dire dans l'organisation du système, en fait. Donc, ce que j'entends, c'est que sur les critères d'ESG, les investisseurs institutionnels devraient être relativement confortables, d'autant plus que le I devient de plus en plus compliant pour les critères qu'ils doivent déployer. Je voulais te demander, David, pour revenir un peu maintenant aux produits.
Je suis un investisseur institutionnel. Comment est-ce que tu pourrais décrire l'évolution de la sophistication des produits qui sont offerts à un investisseur institutionnel qui veut faire autre chose que juste acheter un jeton de Bitcoin et le mettre dans un storage et attendre que ça monte? Alors, je dirais que déjà, qu'est-ce qui... Ça, c'est une de tes questions précédentes. On parlait de la décorrélation fluctuante, on va dire, des crypto-monnaies avec les actifs traditionnels. Mais il y a aussi, c'est l'asymétrie potentielle d'un investissement dans une crypto-monnaie. Je prends un exemple, un investisseur institutionnel, ou un investisseur d'ailleurs tout court, qui met, on va dire, 5% de son portefeuille en Bitcoin. Et voilà, j'ai 100 euros, j'en investis 5 en Bitcoin. Mon risque maximum sur cette position, c'est de perdre ces 5 euros. Donc, c'est 5% de mon portefeuille. Donc, j'ai un risque maximum au niveau de mon portefeuille qui est de 5%. Maintenant, si cet actif grossit, prend 50%, 100%, 200%, comme on peut le voir sur certains mouvements très verticaux, une asymétrie qui est beaucoup plus importante. J'ai 5 de pertes maximales. Donc c'est vraiment, c'est si ça disparaît du jour au lendemain, ça disparaît, c'est, voilà, je ne peux même pas sortir avant, je ne peux même pas réduire que à 3% ma perte, c'est vraiment, ça disparaît du jour au lendemain. Et d'un autre côté, je peux faire un x2, x3, x4. Alors pour un institutionnel, c'est très intéressant puisque c'est exactement les matières premières quand elles sont arrivées sur les marchés, avec cette asymétrie très volatile, mais qui pouvait apporter par rapport aux actifs traditionnels cette performance supplémentaire en en mettant une petite dose dans un portefeuille et qui avait vraiment, c'est littéralement le tabasco que vous mettez dans vos plats pour relever, une goutte suffit. C'est un peu la même, c'est un peu la même idée. Quoi. Pour dire ça différemment dans le langage des marchés financiers, en fait, ça s'appelle une option. Tu prends une option à la hausse. Donc, tu as acheté le premium à 5% dans ton cas et ça peut doubler à tes 100 euros initiaux en 2 semaines, ou alors tu peux perdre tes 5%. Mais effectivement, ça fait partie des choses. L'une des choses, moi, je pense que les institutionnels ont besoin, c'est le pouvoir shorter, c'est-à-dire vendre à découvert. C'est pas trop possible avec les coins actuellement, même s'il y a des mécanismes de prêt, mais le fait d'avoir des futurs, en fait, autorise à faire du short synthétique. Ça, c'est aussi l'une des choses qui fait que le fait de l'arrivée des perpétuels, donc des futurs non livrables, en gros, pour faire simple, pour donner un petit peu de contexte, autorise certains institutionnels au moins à considérer que, en fait, maintenant, il y a des outils nécessaires. C'est de la technique, ça. Les institutionnels ne viendront pas s'il ne faut pas shorter. Non. Le problème, c'est que la vaste majorité de ces perf swaps, enfin, voir la totalité, s'échange sur des trading venues qui ne sont pas régulées, où il y a un risque de contrepartie énorme et où ça ne passe pas par de chambre de compensation, où la chambre de compensation est la trading venue. Donc oui, ça adresse une partie de la population, mais pas les gros investisseurs institutionnels encore, je pense. J'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui travaillaient sur cette chose-là. Où ça en est, j'en sais pas plus, mais je sais que tout le monde essaie de le faire, et la première personne qui va y arriver, en fait, c'est le Graal. Hein. On essaie d'avoir une chambre de compensation, pour faire simple. Donc, ce qui nous manque, alors, pour récapituler, il nous manque la capacité de synthétiser des shorts d'une manière symétrique par rapport à la capacité d'aller long. Aujourd'hui, donc, juste pour donner un petit peu de sémantique sur le vocabulaire, quand on parle de perp swap, mes collègues parlaient de perp swap, c'est donc en fait un index swap. C'est fondamentalement un OTC où les deux parties s'entendent sur l'échange de valeurs et faisant référence à un sous-jacent avec un modèle de stabilisation du prix de convergence, de déport et de report pour permettre d'assurer la convergence entre le cash et le perp swap. Et en fait, c'est important de bien souligner ici, à ceux qui ne le savent pas encore, c'est qu'on parle beaucoup des coins, on parle beaucoup de ces fameuses coins que l'on perd ou que l'on perd pas, ou que l'on vole ou que l'on vole pas. Mais la réalité, c'est que l'essentiel du volume de trading sur la crypto, sur les actifs digitaux, se fait sur du papier, sur du dérivé.
je ne sais pas exactement quel est le leverage, mais c'est probablement du 5 à 1, si ce n'est pas du 7 ou parfois du 10 à 1. Et donc, en fait, ça, c'est je un signe. Je peux donner un petit chiffre. C'est entre 4 et... Il y a des extrémistes qui montent à 25. Mais en gros, c'est à peu près l'ordre de grandeur, c'est 4, 5, 10. Voilà. Et dans mon expérience, certainement dans les matières premières, la preuve de maturité d'un marché, c'est quand les traders wholesale, les traders de gros, traitent, s'échangent avec très peu de friction, et généralement en OTC, parce que généralement les modèles de crédit et de compensation ne sont pas là, du papier. Et il y a cette obsession de la custody, cette obsession de protéger le jeton physique. Mais comme de la même manière que dans les matières premières, les traders de matières premières traitent beaucoup plus de papier que de physique, sur les actifs digitaux, je pense qu'on s'oriente vers la même market structure où l'essentiel du volume de gros se fait sur des venues qui sont aujourd'hui pas très régulées, mais qui vont progressivement le devenir. Et qu'il y a ce marché de retail et de long only qui est plutôt basé sur la coin. Donc, c'est important de voir ça. Et donc, si on effectivement développe plus de shorts, la capacité de créer des shorts, de vendre à découvert sur ces actifs en utilisant le papier, j'imagine ce qui nous reste à résoudre, c'est la question du crédit. Absolument, le crédit, la compensation, hein, bien sûr. Ce qui revient, c'est parallèle, c'est pas identique, mais ça fait partie de ces briques qu'on suppose tous que ça existe. Dans le monde traditionnel, ça existe depuis des années et des années, des décennies, des siècles pour certains. Effectivement, ça fait partie de ces briques que l'écosystème commence à essayer de construire. Et en fait, le gros problème pour la construction de ces briques, c'est la réglementation. On en revient à ça parce qu'en fait, on travaille dans le vide. Même si les jalons sont mis, les détails ne sont pas là. On fait partie en fait du rare écosystème en finance où on veut plus de régulation. Tous les autres secteurs veulent non, le gouvernement ne doit pas s'en mêler. Nous, c'est le contraire. Donnez-nous n'importe quoi. Pas tout le monde. Ouais. Pas tout le monde dans l'écosystème. mais nous, notre approche, c'est plutôt donnez-nous de la régulation, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, mais il faut qu'on ait quelque chose pour travailler. Oui. Et ensuite, si elle est mauvaise, on va l'amender. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. Et si elle est bonne, évidemment, ce serait le Graal. Mais... Peut-être pour revenir à la question du crédit, encore une fois, qui, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la grosse pierre qui manque pour permettre de grossir la taille du marché pour que les investisseurs institutionnels viennent. Et ce qui manque, c'est le concept du prime brokerage, c'est-à-dire qui, comme vous le connaissez sans doute, dans les autres marchés financiers, permet à une institution de venir et de faire l'abstraction du risque de crédit des contreparties en agrégeant la transaction pour le compte du gros intervenant, du gros investisseur. Ça n'existe pas en crypto. Et ça n'existe pas probablement pour deux raisons. Une raison anecdotique, mais c'est que les banques ne sont pas présentes. Et pourquoi les banques ne sont pas présentes? C'est parce que ça n'a fait pas de sens économique pour une banque de faire du prime brokerage aujourd'hui, quasiment, et encore moins en crypto. Parce que le régulateur impose, du fait de la volatilité de l'actif, des charges de capital totalement prohibitoires. Et donc, il y a un sujet ici qui est à la fois l'imbrication de la market structure et de la réglementation. C'est comment trouver un chemin où les banques peuvent venir, ou des non-banques, ou peut-être des fonds de PI, de private equity, pour proposer un service d'agrégation et de prime brokerage, sans se faire totalement assassiner par des capital charges onéreuses. Et en fait, c'est là que quelqu'un comme Lionel entre en jeu, parce qu'il offre des produits qui sont un peu plus... Ce n'est pas des produits structurés, je vais utiliser le mot structuré, c'est un mauvais terme, mais c'est des produits qui se rapprochent plus de la finance classique, des indices. Par exemple, comment est-ce qu'on fait ça du cross margin? Quand à partir du moment où on peut faire du short, on peut en fait utiliser le capital de manière plus efficace, et en fait on peut réduire le risque aussi, parce que si on peut shorter, ça veut dire qu'on peut se hedger et donc en fait réduire le risque, ce qui fait que les fonds propres qui sont exigés, qui seraient démentiels, en gros ce serait plus que la capitalisation des sociétés en question, en fait on pourrait les ramener à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. Est-ce que ce sera aussi petit, entre guillemets, c'est pas petit du tout, mais par rapport au pourcentage, c'est petit pour les banques? Peut-être pas, mais au moins, ce sera le premier pas pour pouvoir accueillir en fait, des nouveaux acteurs.
Mais je pense qu'il y a une autre façon aussi d'approcher la façon dont on peut éradiquer le risque de contrepartie. Au lieu de transposer ce qu'on connaît dans la finance traditionnelle, passer par des prime brokers et recréer quelque part un risque systémique, qu'on le veuille ou non, on peut tout simplement leverager la blockchain. C'est l'essence même de la blockchain, c'est éradiquer le risque de contrepartie. Et on peut l'utiliser comme chambre de compensation et endroit de dénouement. Il suffit d'être plus à l'aise avec cette technologie, mais en soi, on a les outils, ils sont là. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai une interrogation plus qu'autre chose. C'est la rapidité dans laquelle tu peux imprimer sur la blockchain. Tu vois, si on prend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je faisais partie de ces fameuses personnes qui faisaient de la haute fréquence, du trading haute fréquence. On parle de, un chiffre factuel, il est arrivé qu'on passait 20 millions d'ordres par seconde. Mais peut-être la réponse est tout simplement pas passer par des blockchains permissionless publics type Ethereum qui est la blockchain la plus connue. Mais il y a eu aussi une étape intermédiaire des blockchains privées et ou permissionnées, donc dans lesquelles on place les pions, un certain nombre de nœuds, et ça peut largement, nettement augmenter en fait la vitesse d'exécution et la finalité. Ce qui revient à... Okay. Oui, mais on peut déjà améliorer un peu la gouvernance versus tout centraliser sur un pouvoir. On peut répartir ce pouvoir avec 10, 15, 22. Bon, bah, je pense que, avant de poser la dernière question au panel, on voit qu'il y a... Enfin, c'est évident qu'il y a, en entendant tous ces points, c'est que c'est un écosystème qui est très différencié. Il y a beaucoup de niveaux d'intervention. Il y a la DeFi, où les choses se passent de manière... automatique sans beaucoup de gouvernance ou de compliance. Il y a la haute fréquence qui commence à traiter de la crypto et qui a besoin de produits de prime brokerage. Et donc, en fait, il y a une segmentation du marché. Il y a des layers d'intervention qui vont se juste-apposer. Et c'est un peu la beauté de la chose. Avant de terminer et de passer le micro à l'audience pour prendre des questions, j'espère que vous en avez pour nous, je voulais vous demander à chacun... comment est-ce que vous voyez le marché à, disons, 3 ans, et quels sont les bloquants qu'il faut résoudre pour que tous ces institutionnels soient là dans 3 ans? Allez. Dans 3 ans, je pense qu'on aurait fait avancer un peu le schmilblick au niveau des institutions, j'imagine que c'est ta question. Ouais. Oui, on est en train de mettre l'infrastructure en place. Je pense que le plus gros goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est la partie custodienne. Pas que prime broker, mais vraiment la partie custodienne autour de laquelle il y a plusieurs services annexes qui sont rendus, financement, etc. Je pense que les dépositaires régulés, les fronts à qui on parle ont une nécessité absolue d'avoir ce type d'acteurs. Aujourd'hui, on n'a que des fournisseurs technologiques, Fireblocks, Copper, mais ça ne suffit pas du tout. Ça ne colle pas au mandat de ce type d'investisseur. Donc pour moi, c'est le gros point bloquant aujourd'hui. Horizon 3 ans, ça aurait évolué, mais je ne pense pas que... Voilà, c'est des grosses machines à faire bouger. Il y aura certainement plus d'adoption, même très certainement plus d'adoption, mais on ne sera pas non plus full steam. En revanche, ouais, si la question, c'est à 7-10 ans, je pense qu'il y a une question vraiment générationnelle. La nouvelle génération qui va prendre le relais sur les anciens fonds de managers, anciens banquiers, etc., déjà ont beaucoup plus d'affinité avec cette technologie et cette classe d'actifs. Et là, effectivement, l'adoption pourrait être propulsée. Je pense qu'effectivement, comme disait Lionel, d'ici 3 ans, ça n'a pas trop changé. Parce qu'en fait, ces grosses institutions sont vraiment des dinosaures. Pour qu'ils arrivent à changer, il faut qu'ils arrivent à avoir une transition qui soit facile. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent déjà avoir des formats, des outils qui sont déjà ce qu'ils ont l'habitude de trader pour pouvoir dire, tiens, on va essayer de goûter un peu ça. Il ne faut pas que ce soit complètement nouveau. Donc on a vu effectivement que l'arrivée de différents acteurs pour packager les formats d'investissement dans la crypto, non pas sur des exchanges avec une wallet qui est complètement la science-fiction pour ces institutionnels, mais sur un fonds régulé. Vous avez un code ISIN. Au lieu d'acheter le fonds qui va traiter des actions sur le marché américain, c'est un fonds qui va traiter des crypto-monnaies. Voilà.
Pour l'institutionnel, c'est pareil, c'est le même format, donc ça ne bouge pas. Il y a un profil de rendement qui est différent, mais c'est accessible. Alors qu'il y a quelques années, ça n'était pas du tout le cas. Autre possibilité pour développer ça, c'est la liquidité et la taille du marché. Un institutionnel qui aujourd'hui veut déployer 500 millions de dollars dans la crypto-monnaie en du trading actif, c'est compliqué. Le marché ne peut pas absorber ça. Et donc, après, si on augmente ce chiffre, ça devient impossible. Donc, pour eux, ils ont soit les investissements passifs, type index ou des VC, qui est vraiment beaucoup plus long terme. Mais pour du trading actif, aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité nécessaire. Donc, aujourd'hui, pour que le marché grossisse, il faut que des investisseurs institutionnels aillent dans ce marché pour apporter la liquidité. La liquidité augmentant, ça va faire venir d'autres, et ainsi de suite. Et donc, c'est quelque chose qui prend son temps et qu'on ne peut pas forcer. On a vu l'arrivée de produits de trading institutionnel avec les futurs du CME, par exemple, qui vont apporter un peu plus de liquidité. Des exchanges type Binance grossissent et d'autres comme Gemini, FTX se lancent pour créer justement des exchanges avec un côté plus réglementé ou plus transparent pour essayer justement d'améliorer cette liquidité, pardon, et donc de pouvoir amener des institutionnels à dire, ben voilà, je peux passer des ordres de 50 millions, je peux entrer 50 millions, et je sors 50 millions 2 minutes plus tard, c'est quasiment sans frottement. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc c'est, je pense, un des éléments qui devient assuré, et aussi mis en place par l'intermédiaire de prestataires type Prime Broker, qui pourront apporter justement, aider à développer cette liquidité, ou aider en tout cas l'agréger, alors qu'aujourd'hui la liquidité est très fragmentée dans le marché des crypto-monnaies, beaucoup plus que sur des exchanges traditionnels. Je pense que ça, Jacques, tu connais mieux le sujet que moi à ce sujet. Je te remercie de la perche, mais je ne vais pas la saisir en fait. Parce que je vais essayer de répondre à la question de Jean-Marc, je suis sûr qu'il n'a pas posé ça pour rien, l'horizon de 3 ans. En fait, j'avais mentionné ça tout à l'heure, mais si je ne me trompe pas, la directive MiCA devrait rentrer en vigueur en 2024 ou plus tard, donc dans 2 ans. Elle sera transposée dans les lois nationales à peu près l'année suivante, dans 3 ans. Donc je me doute que tu as posé la question pour ça. Et donc je pense que ça sera un événement qui sera assez considérable, peut-être pas dans les faits, mais dans les mentalités. Les gros vont être obligés, en fait, ils n'auront pas le choix. C'est maintenant légal, réglementé, régulé, et donc ils vont être obligés de considérer ça. Est-ce qu'ils vont le faire? On n'en sait rien. Mais c'est quelque chose qu'ils ne pourront plus ignorer en disant « on verra plus tard, on n'a pas de cadre réglementaire ». Donc, tu vois, et donc avec ça, si en même temps on a cette fenêtre de 3 ans, nous tous, pour construire quelque chose qui fait que, en fait, ça sera prêt à ce moment-là. Donc on a une fenêtre de tir de 3 ans à peu près. Et c'est effectivement à ce moment-là, donc on peut parler de la perche que tu m'as tendue. Absolument. On a besoin d'algorithmes d'exécution qui sont aussi sophistiqués que ce qu'on trouve dans les marchés classiques. On a besoin du prêt-emprunt, on a besoin de tout ça. On a 3 ans pour le construire. Très rapidement, j'ai oublié un point extrêmement important sur les points bloquants, c'est la courbe d'apprentissage, tout bêtement. Et c'est ce qui fait que ça va prendre du temps aussi aux gens de rentrer sur ce marché en dehors de la mentalité, enfin, l'adaptation à une nouvelle classe d'actifs. Il y a aussi la compréhension de ces classes d'actifs, quels sont les drivers derrière, la dynamique, comment est-ce qu'on les valorise, etc. Je pense que c'est un point essentiel et qui va faire perdre pas mal de temps aussi. Oui, je finirai sur un point également qui est critique, qui est parallèle à ce que tu viens de dire, Lionel, c'est le côté culturel. Donc, on a besoin de capital humain et de culture qui permet à ce capital humain de se déployer dans cette classe d'actifs. Et ça veut dire, c'est en fait des endroits comme Dauphine, les masters de Dauphine, où on crée des cryptos natifs dès le départ, qui vont ensuite aller dans des institutions, dont des institutionnels, et qui vont créer le changement culturel de l'intérieur qui est nécessaire, parce qu'un grand nombre de seniors qui sont assis aux commandes de ces institutionnels, aujourd'hui, n'ont pas nécessairement, peut-être, le sentiment qu'ils ont, l'élément culturel et de capital humain autour d'eux pour, d'une manière...
robuste s'engager sur ses actifs. Et donc, moi, je pense que, in fine, l'ingrédient qui manque et qui va nous aider également beaucoup dans les trois prochaines années, et que je vois grossir très vite, c'est l'élément culturel qui va être animé par des groupes comme des alumni de Dauphine et d'autres universités qui vont embrasser cette activité sans la peur qui peut venir pour certains intervenants qui sont en fin de carrière et qui peut-être ne voient pas l'intérêt de faire des changements transformationnels dans leur stratégie d'investissement. Merci beaucoup. Sur ce que j'aimerais bien faire, c'est ouvrir le dialogue, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on est ravis de prendre toute question que vous auriez sur le sujet. Monsieur. Question intéressante. Qui veut prendre celle-là ? Oui, enfin, il faut pas confondre institutionnalisation avec transposition de ce qu'on connaît dans la finance traditionnelle. On peut aussi s'institutionnaliser par exemple, en ayant une approche non custodiale décentralisée, et auquel cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose, puisque l'essence même de la blockchain, de ces classes d'actifs, etc., resterait intacte. Mais en revanche, si c'est fait effectivement par une financiarisation, et c'est un peu ce qui est en train d'arriver, je pense, là, ça peut être dangereux. Ouais. Si je peux me permettre, moi, je vois une raison quand même assez fondamentale pourquoi il faut institutionnaliser ce marché. C'est pour partager l'opportunité avec tous les investisseurs qui n'investissent que par les institutionnels. On parle d'un monde à taux zéro. Tout ce qui se passe dans les boards de tout investisseur institutionnel, c'est comment on va payer les returns et surtout les pension funds, comment on va payer les annuités de nos sociétaires. Donc il y a un très très gros sujet de return. Et là on a un actif qui a une opportunity set. Donc parler. Pardon monsieur, mais c'est là où je suis en désaccord avec vous. Enfin c'est là où je trouve que dans tout le discours, moi je suis aussi un ancien de la finance comme vous. Vous supposez que ces actifs vont continuer à augmenter. Je sais pas, vous donniez l'exemple de votre exemple de répartition 5%, 95%, ça veut dire que vous pensez que cet actif va faire x2 ou x3. Or, vous pourriez avoir le même raisonnement par rapport à tout type d'actifs financiers. Je trouve que dans tout le discours qu'on a entendu ce soir, c'est youpla boom, cet actif, il est passé de 30 à 60, il vaudra 1 million. Et je trouve ça très dangereux. Oui. Voilà. Je suis surpris qu'il n'y ait pas du tout de contradicteur dans une table ronde comme ça. Je crois que... Ce que disait David, c'est que la sophistication des produits permet d'extraire du return sans, on parlait beaucoup du short, créer des shorts, de la décorrélation, d'avoir des politiques de gestion d'actifs actives par opposition à juste du long retail bêta. Et donc en fait, je crois que ça peut-être pas assez bien passé, mais moi ce que je pense, c'est que il y a toute une gamme de produits qui se développent en utilisant cette classe d'actifs qui peuvent créer du return. Ce qu'on appelle de absolute alpha. Et ce qui manque, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est des producteurs d'absolute alpha, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur sans considération de la direction du bêta, c'est-à-dire de l'index. Et c'est quelque chose dont on parle, et certains à cette table travaillent beaucoup là-dessus, cette création de valeur en active management. Et donc ça va créer, nous sortir de cette situation où il n'y a que du bitcoin et il faut que ça monte. Non, ça, c'est clair, ce n'est pas sustainable pour un investisseur institutionnel. Tout à fait, ce que je parlais tout à l'heure, c'était juste pour clarifier, c'était de la volatilité de ces crypto-actifs et la possibilité justement de pouvoir jouer, à partir on peut les shorter, les deux côtés, aussi bien la montée que la descente. Pour faire très simple, vous allez prendre un pari directionnel, est-ce que demain ça va monter ou est-ce que ça va baisser ? Si ça monte, très bien, et que vous êtes orienté à la hausse, vous gagnez. À l'inverse, c'est au niveau du risk management, vous avez dit, je suis dans le mauvais sens, je coupe ma position, est-ce que je me repositionne, est-ce que j'attends un autre point d'entrée, c'est un autre sujet.
Mais c'est, on l'a vu d'ailleurs en 2018, suite à la montée exponentielle qu'il y a eu sur l'année 2017 des cryptoactifs, principalement sur la deuxième partie de l'année 2017. Et en 2018, ça a été l'hécatombe quasiment toute l'année. Donc, ça s'est repris après, vers avril 2019, de mémoire. Ce n'est pas quelque chose qui va aller au plafond, effectivement. On voit certains actifs qui valent vraiment des millièmes de centimes d'euros, qui ont une très faible liquidité et qui, par quelques trades, vont être multipliés par 100 très rapidement. Il n'y a aucune liquidité, ce n'est pas les institutionnels qui peuvent aller là-dedans. Par contre, des actifs plus liquides, qui bougent moins, entre guillemets, mais qui ont quand même une certaine volatilité, c'est un produit intéressant pour pouvoir justement extraire justement de la plus-value en ne disant pas, voilà, ça va augmenter et à ce moment-là, je me mets à la hausse, j'achète ça et puis je regarde dans 10 ans ce qui se passe, en étant sûr que ça va prendre 100% par an. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est de dire, voilà, c'est quelque chose qui est volatile, ça monte, ça descend. Le tout, c'est d'arriver justement à capturer une partie de ces mouvements, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et la difficulté justement pour les institutionnels, c'était de pouvoir capturer justement les mouvements à la baisse, donc de pouvoir shorter ceux dont on parlait tout à l'heure justement, qui commencent à se démocratiser aujourd'hui. Et ce n'est pas du tout uniquement purement directionnel. C'était juste, disons qu'il y a plusieurs dans un portefeuille institutionnel, il peut y avoir différentes façons d'investir dans la crypto-monnaie. Il y a une part de risque et de liquidité. Vous pouvez avoir l'arbitrage pur et simple, cash and carry, etc., qui va vous faire entre 5 et 10% par an de manière assez linéaire. Vous avez à côté le côté passif indiciel, où là, effectivement, vous avez capturé le bêta du marché, à la hausse comme à la baisse. Et après, vous avez les produits absolute return, justement, qui, eux, sont destinés à essayer de capturer un peu la hausse et profiter un peu de la baisse. Et donc, il y a moyen un peu par rapport à une exposition indicielle passive. Et après, vous avez le côté vraiment illiquide, qui est le côté VC, où là, c'est vraiment l'investissement sur des projets, comme on a pu voir des projets high-tech dans les années 90, fin des années 90. Et là, faut voir ce que ça donne par la suite. Mais je dirais qu'il y a différentes classes sous-domaines d'investissement dans la classe d'actifs, avec différentes propriétés, différents horizons, différents horizons d'investissement. Et après, je dirais qu'il faut savoir effectivement ce qu'on attend. Si on investit dans un VC, c'est effectivement, on mise vraiment que sur la hausse. Un fonds hedge fund, on va investir dedans parce qu'on dit, là, on va pouvoir gérer à la hausse, mais aussi être protégé à la baisse ou pouvoir profiter de la baisse des crypto-monnaies, qui vont en général très vite à la baisse, plus qu'à la montée. Donc vraiment, ça tout dépend après comment on se... Quels sont les objectifs d'investissement et donc devant avec différents produits qui correspond justement à ses besoins. Et la réponse absolue, c'est pas je mets tout sur Bitcoin ou Ether ou que dans du VC, c'est de voir justement par rapport au portefeuille d'un institutionnel quel est son objectif d'investissement, son horizon d'investissement, et avec ça, il va construire un peu un portefeuille. Et ça, aujourd'hui, les institutionnels vont rajouter un tout petit peu de crypto dans leur portefeuille, 2-5% maximum, parce qu'à cause de cette asymétrie potentielle de rendement, que ce soit direct ou indirect avec une stratégie type hedge fund, par rapport pour compléter des actifs traditionnels où là il a la liquidité, où il peut déployer 100 millions sans problème, sans se poser trop de questions de liquidité. Voilà. C'est juste pour préciser ce point. Oui, je te rejoins complètement. Je vais apporter un petit point personnel. Déjà, si le message qu'on a fait passer ce soir, c'était « tout va bien, acheter, ça va faire que monter », c'est qu'on s'est trompé. Donc, ce n'était pas du tout le message. Moi, mon message, il est optimiste, dans le sens où je crois dans cette classe, dans cette nouvelle classe d'actifs, d'actifs numériques. C'est quelque chose de nouveau, on ne connaît pas bien, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Mais les institutionnels, ce n'est pas des joueurs au sens « gambling ». Ils ne vont pas venir pour jeter un dé au casino à Las Vegas. Ils ont besoin d'une infrastructure, ils ont besoin d'un environnement, ils ont besoin d'un écosystème dans lequel ils ne sont pas spécialement stupides. Et ils savent que ça va baisser, ils savent que ça va monter. Et leur but, c'est d'exploiter effectivement les variations. Quand la vol augmente, c'est généralement parce que le marché baisse.
font de l'argent avec ça. C'est même le principe du high frequency trading, c'est quand la vol augmente qu'on fait le plus d'argent, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, le message, c'est vraiment pas on est tous des bisounours, venez acheter des bitcoins, vous serez tous millionnaires demain. Par définition, si on est tous millionnaires, on est tous pauvres. Donc voilà, c'est vraiment pas le message. Et si c'est vraiment le message qui a été perçu, à nouveau, je le redis, on s'est tous trompés, on s'excuse. Mais c'est vraiment pas ça. Alors, moi, je voudrais poser une autre question, qui est une question que je me pose, mais donc je vous la pose. On parle beaucoup de désintermédiation, donc Lionel, que je connais par ailleurs. On parle de désintermédiation, tout ça est bel et bien, mais il y a quand même un truc qui m'intrigue. Il n'y a pas de droit à l'erreur sur la blockchain. Donc si je renvoie à toi, Jacques, 10 bitcoins, parce que je me suis trompé, les 9, comment je fais pour les récupérer? Et donc en fait, ma question, et moi ça me pose un vrai problème, c'est-à-dire que quand on parle de désintermédiation, ça me pose un problème pour cette raison-là et un certain nombre d'autres raisons. Moi, j'aime bien l'idée d'un intermédiaire. J'aime bien avoir quelqu'un en face vers qui je peux me retourner en lui disant, bah, écoute, t'as fait une connerie, tu vois. Ou en tout cas, tu vas m'aider à rattraper la connerie parce que les 9, je veux les récupérer. Et donc, quand j'entends des intermédiations, ça m'inquiète parce que Madame Michu, elle ne saura pas faire. Et le droit à l'erreur, c'est intrinsèquement important dans les marchés financiers. Okay, c'est pour ça que le régulateur met la responsabilité. D'ailleurs, vous le savez, vous êtes tous des professionnels de la finance, il les met sur l'intermédiaire. Systématiquement, quand un particulier traite, un non-professionnel traite avec un professionnel, le poids de la preuve porte sur le professionnel et c'est la raison pour laquelle le professionnel doit être capitalisé au passage. Donc cette technologie porte intrinsèquement des caractéristiques qui sont orthogonales avec la pensée du régulateur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je veux bien commencer à répondre à ta question, Stéphane. En fait, c'est l'une des questions que Jean-Marc voulait poser et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'était qu'est-ce qui m'empêche de dormir la nuit ? Et en fait, c'est exactement ça. Alors, je vais le prendre peut-être un petit peu plus général, puis ensuite on viendra à ta question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre, mais en tout cas, je vais l'aborder. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, en fait, c'est de perdre mes clés. Soit parce que j'ai la moitié de la clé, mon cofondateur a l'autre moitié de la clé, et malheureusement, l'un de nous deux se fait renverser par un bus. Donc comment on fait? Donc on met des règles de bonne conduite en place, hein. On ne prend pas le même avion, quand on va au même endroit, il y en a un qui prend le train, l'autre qui prend la voiture, tu vois, c'est des choses comme ça. Il y a bien entendu le hack, au sens un pirate informatique, et là on travaille avec la DGSI, enfin vous connaissez tous ça, les services de sécurité de l'État, qui font des formations, qui nous donnent des conseils pour ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et puis on essaye de nous-mêmes aussi de nous protéger. Donc ça, c'est la partie perte de clé. Maintenant, erreur humaine. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant, qu'on utilise. Il y a des assureurs. On va reparler de ça. Donc il y a des assureurs qui protègent contre certaines classes de hacks, d'erreurs, etc. Nous-mêmes, par exemple, on est assuré aux alentours de 60, je ne veux pas dire de chiffres, mais aux alentours de 75 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et le chiffre lui-même n'a pas d'importance. Ce qui est important, et c'est ça vraiment qui me fait avoir plus de cheveux blancs que je devrais avoir, c'est qu'en fait, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question, mais la plupart des sociétés sont entre guillemets assurées par des vrais assureurs. Est-ce que vous savez, depuis le début des bitcoins, combien il y a eu de claims qui ont été successful? Combien il y a eu de, je ne sais pas comment dire en français, combien il y a eu de réclamations qui ont été payées de toutes les sociétés avec tous les assureurs? En fait, le nombre est simple, il est de zéro. Jamais personne n'a été dédommagé pour un dommage. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Sur combien de dossiers? Tu sais, à ma connaissance, on parle de quelques milliers. Zéro sur quelques milliers. Ouais. À ma connaissance, il y en a sans doute plus. Il y en a sans doute. Absolument. C'est ça qui m'empêche de dormir la nuit. Est-ce qu'il faut faire intervenir un intermédiaire réglementé dans le sens où est-ce que ça peut être un pool commun de tous les participants, comme ça se fait dans les chambres de compensation classiques? Chacun met un petit centime avec chaque dollar qui passe. C'est peut-être une possibilité. Mais je suis d'accord avec toi. L'erreur humaine, ou l'erreur qui soit malicieuse ou par simplement je tape 0 au lieu de taper 3, malheureusement c'est arrivé, ça nous est arrivé à nous, dans l'autre sens. On a reçu des choses qu'on ne devait pas recevoir et il y a quelqu'un qui nous a contacté, on l'a retourné. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pas grand-chose, c'est que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Ouais.
Il n'y a pas besoin d'être maximaliste non plus, hein. Les deux peuvent très bien coexister. On peut avoir un système un peu décentralisé avec moins de risques de contrepartie et un autre centralisé en fonction des transactions dont on parle. Il n'y a vraiment pas besoin d'être maximaliste. Et au passage, d'un point de vue purement technique, on peut aussi envoyer un message sur certaines blockchains qui passent avec une transaction. Donc on peut essayer de recouvrer en cas de pépin. On est tout à fait d'accord, il y a certainement des solutions, mais au-delà de l'anecdote sur le fait que ce soit réversible, c'est qu'il y a une philosophie. Alors, monsieur le disait, pourquoi l'institutionnalisation? Et tu as très bien répondu, Lionel, on peut avoir plein de façons différentes, mais il y a quand même intrinsèquement dans la philosophie de la blockchain des choses qui sont... on va le dire, incompatible avec l'environnement institutionnel, de finances institutionnelles. Donc avant d'essayer de faire converger les deux un peu rapidement, et ce qui serait mettre Madame Michu dessus, il faut quand même se poser la question de qui veut faire quoi. Une autre chose qui me frappe, c'est une observation, il y a beaucoup de blockchains, il y a beaucoup de gens qui font de la techno, il y a assez peu de gens qui se parlent. Il y a quelque chose qui s'appelle SWIFT dans les marchés financiers, dont on a beaucoup parlé avec l'Ukraine. Et SWIFT, c'est un consortium bancaire. Quand les banques, elles ont décidé qu'il fallait faire des transferts, qu'il fallait les sécuriser, elles ont mis de l'argent sur la table, elles ont posé des réseaux et elles ont sécurisé ça, de sorte qu'à ma connaissance, SWIFT, ça m'a été dit par quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, ça aurait été hacké une fois dans toute l'histoire de la messagerie. Donc aujourd'hui, SWIFT, c'est fiable, ça n'est pas du tout décentralisé. La gouvernance, elle est dirigée par des gens qui sont les propriétaires, les utilisateurs, etc. Ça ne se passe pas dans la crypto. Quand est-ce qu'on verra une convergence de gens qui se disent « Moi, je vais mettre ma compétence au service du bien public pour faire de la crypto quelque chose d'assez fiable. Je vais converger. » Ça m'étonne beaucoup. Voilà, je ne vais pas porter de jugement en disant « C'est bien ou c'est pas bien. » Mais quand on a les bourses qui ne se structurent pas en chambre de compensation, ce que vous essayez de faire, et c'est très louable, je vous souhaite d'y arriver parce que c'est loin d'être évident, c'est dommage. Quand on a les chaînes qui ne se parlent pas ou qui se parlent peu, c'est dommage. Voilà. Et puis, je laisse la parole. Juste un point sur... je crois qu'on est d'accord. Quand on parle d'institutionnalisation, là, on a fait l'accent sur l'asset management. Mais il y a également une institutionnalisation de la blockchain et des écosystèmes blockchain. Et il y a de plus en plus de projets qui sont... on appelle ça DFMI. C'est-à-dire l'FMI, comme vous le savez, c'est le concept de la BIS, de Financial Market Infrastructure. Il y a 24 règles qu'il faut qu'une grosse institution systématique, il est risqué, systematically important doit adhérer. Et il y a ce modèle hybride de la DFMI, Distributed FMI, qui est en train de se développer, un certain nombre de projets qui sont en cours assez avancés avec beaucoup de grosses banques impliquées, qui essaient de créer cette institutionnalisation de ces concepts techniques de la blockchain. Donc il y a également cette transformation qui est en cours. Donc, quand on parle d'institutionnalisation, il y a également cela. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un monde un peu de la blockchain in the wild, sauvage, qui se développe d'une manière totalement indépendante, mais il y a également un nombre de projets qui essaient de faire le better Swift, c'est-à-dire essayer de comment est-ce que Swift, d'ailleurs Swift lui-même, a des projets de rationalisation et de son modèle qui est tout à fait archaïque. Parce que c'est un one-side messaging qui est totalement désuet au monde actuel. Et donc, on va voir apparaître un certain nombre de projets institutionnels qui vont prendre les core primitives de la blockchain et en faire des choses qui tiquent les boxes de la BIS. Ça, c'est quelque chose qui est également en cours, mais ça prend beaucoup plus de temps que la superstructure du trading où on peut rapidement mettre des choses en place. Mais en fait, tu vois, ça revient à la dichotomie, à la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure, entre le principe décentralisé, réparti, accessible, démocratique, tu l'appelles comme tu veux, et à un moment donné, arriver à un constat qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait les pouvoirs de faire la police. Comment est-ce qu'on va résoudre ça? Comme tu le disais, on n'en sait rien, c'est quelque chose de nouveau. On tâtonne. Est-ce qu'on peut transposer le modèle classique directement dans le nouvel écosystème? Ma réponse, elle est oui et non. On peut sans doute prendre beaucoup de choses et les transposer. Il y a d'autres choses qui, intrinsèquement, sont incompatibles avec le principe décentralisé. Maintenant, comme le disait Jean-Marc, beaucoup de mouvements, de trading, c'est du papier. Et le Bitcoin lui-même, j'utilise Bitcoin, mais remplaçons ça par ce qu'on veut, c'est rien d'autre qu'un sous-jacent. Donc, sa valeur intrinsèque elle-même n'a
pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Mais est-ce qu'on s'abstrait de la blockchain en faisant ça? C'est peut-être un chemin qu'on va prendre. Ou peut-être qu'on ne fera pas ça du tout. Je ne sais pas. Je vais encore avoir une approche un peu consensuelle, mais j'y faisais référence tout à l'heure, mais il ne faut pas confondre blockchain permissionless public comme Ethereum et les autres types de blockchain. On peut très bien avoir une approche un peu hybride. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées par des banques, par exemple, pour s'échanger de la valeur ou de l'information entre elles, en passant par des blockchains auxquelles seules elles sont parties prenantes. Donc voilà, au lieu d'avoir un SWIFT, on peut très bien envisager d'avoir un SWIFT qui est contrôlé par 10, 15, 20 parties prenantes. Pareil en France, j'ai cru comprendre que la Banque centrale échangeait de la valeur avec leur banque de détail. C'est un moyen voilà, de le faire. On n'est pas obligé d'être jusqu'au boutiste non plus et de tout faire sur la blockchain Ethereum. Peut-être prendre une ou deux des dernières questions. Oui, monsieur. Merci pour votre intervention. Ma question, c'est à Lionel Rubibeau. Au début, vous avez dit que le Bitcoin est une valeur refuge. Et j'aimerais que vous alliez plus loin dans votre raisonnement. Pourquoi vous considérez le Bitcoin comme une valeur refuge, sachant qu'elle a une grande volatilité. Et même dans les moments où les marchés baissent et que ça monte, on voit encore que sa volatilité est très élevée. Non, je reprenais ce que les gens pensent dans l'ensemble, notamment les investisseurs. Macro pense du Bitcoin, un des attributs, une des qualités que les gens aiment retrouver dans le Bitcoin. Pour moi, c'est une version plus accessible que l'or, tout simplement. N'importe qui, bon, c'est un discours très basique, mais avec un téléphone portable, peut accéder à cet actif, contrairement à l'or qui est un peu plus difficilement accessible, je dirais. Non, enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, pour moi, c'est une valeur refuge parce que les gens le considèrent comme étant une valeur refuge potentielle. Il y a un cas d'usage où c'est une valeur refuge. Vous êtes dans un pays totalement démonétisé, où il n'y a pas de banque centrale, il y a une hyperinflation, une confiscation du dollar, ou même pas ça, vous avez l'Argentine, certains pays en Afrique, la Turquie parfois. C'est une valeur refuge parce que ça vous permet de garder de la valeur volatile, mais comparé à la monnaie nationale qui est totalement démonétisée. Donc, dans ces cas-là extrêmes, c'est une valeur refuge au sens classique du terme. Dans un modèle où vous pouvez choisir entre avoir du dollar, de l'euro ou du bitcoin, c'est pas du refuge au sens, à ce sens primaire du terme. Mais on peut se poser aussi la question pourquoi l'or serait une valeur refuge. Je pense que c'est parce que les gens décident de se rabattre sur un actif de façon consensuelle et commune. C'est refuge parce que ce n'est pas confiscatoire. Dès l'instant où un actif ne peut pas être confisqué, c'est un refuge, au sens étymologique du terme. Oui, c'est un très bon point. Ouais. Et là, pour le coup, enfin, le Bitcoin... C'est aussi un refuge parce que pendant 40 ans, on a vécu dans Bretton Woods. Et qu'on a éduqué la planète à penser que l'or, c'était un valeur refuge. Sinon, il n'y a aucune raison que l'or soit une valeur refuge. C'est un acquis culturel. Enfin, l'or peut être confisqué, d'ailleurs. L'or est généralement, beaucoup de l'or est dans des réserves qui sont dans des pays où ils peuvent être, qui sont en custody dans un pays, une banque centrale qui n'est pas celle du détenteur, et donc ils peuvent être confisqués également. Donc l'or, non, l'or est tellement peut-être confisqué. Mais le bitcoin, non. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur le bitcoin, on aime ou on n'aime pas, mais il ne peut pas être confisqué, sauf par le FBI assez souvent, parce qu'ils peuvent le faire. Donc, en fait, je reprends ce que j'ai dit, il peut être confisqué par l'État américain également. Dernière question, mademoiselle. Je vais répondre à une partie de votre question. Est-ce que je suis optimiste sur l'utilisation comme monnaie? Alors, ça dépend de laquelle. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les stablecoins, c'est vraiment un killer app, en ce sens que
c'est une monnaie que vous pouvez traiter jour et nuit, qui peut être envoyée sur une autre digital wallet jour et nuit. Vous n'avez pas besoin d'une banque ouverte ou de date de valeur. Des formes de monnaie cryptographique comme les stablecoins sont définitivement vouées à grossir, tant est que les banques centrales sont toutes en train d'essayer de développer leur stablecoin. Ils appellent ça CBDC, Central Bank Digital Cash. Donc oui, totalement. Je pense que la sphère des paiements est totalement révolutionnée par la possibilité d'avoir des settlements instantanés, atomiques et peer-to-peer. Sur les autres questions, je vais peut-être laisser non, à mes collègues. Non, mais j'abonde dans ton sens, mais clairement, il y a un abus de langage. Quand les gens parlent des cryptos, ils pensent à cryptocurrencies. La partie devise n'est qu'une sous-classe des cryptoactifs et ça représente peut-être 20% des encours. Pour moi, elle voit disparaître très clairement. Le côté remittance, échange de valeur, par design, ne colle pas. C'est effectivement, comme tu as dit, volatile. Et aussi, ça prend du temps. Donc, il y a pour moi zéro intérêt d'échanger de la valeur de cette façon-là. Quand il y a des stablecoins qui vont eux-mêmes être cannibalisés par les CBDC, une fois que les banques centrales émettent leur propre devise digitale, pour moi, cette partie est vouée à disparaître. Pour, dernier point. Oui, je pense que vous faisiez allusion à des choses comme le Venezuela qui a décidé d'utiliser les bitcoins comme étant une seconde monnaie, une seconde devise en fait. C'est une expérience qui est intéressante. Je pense qu'on la suit tous avec grand intérêt. Personnellement, j'ai des doutes sur cet aspect bien particulier de pouvoir, par exemple, payer mes impôts en bitcoin. Et l'autre partie de la réponse, c'est le Venezuela, ce n'est pas forcément un modèle économique. Donc, je suis assez pessimiste, en fait, sur la partie moyen de paiement en crypto. Il y a quelque chose à regarder de très près, je pense, c'est ce qu'on appelle les stablecoins algorithmiques, qui ne sont pas des stablecoins comme le Tether ou l'USDC qui sont émises et en l'échange de quoi on récupère un dollar qu'on va mettre sur un compte bancaire. C'est des stablecoins qui sont algorithmiques, comme le nom l'indique, et donc qui sont hors de portée, hors de contrôle des pouvoirs centraux et dont certains pays veulent s'accaparer. Ça pourrait devenir potentiellement un moyen d'échange relativement puissant parce que tous ceux qui veulent s'affranchir, notamment des US et ou de l'USD, peuvent passer par ces stablecoins algorithmiques et ça a probablement vocation à grossir. Superbe, merci beaucoup. Je vous suggère de continuer à échanger autour d'un verre. Et je vous remercie encore de votre participation.